Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour du Creeper World 4 et aujourd'hui on va jouer le creep dans sa version la plus simple si j'ose dire. Sauf qu'apparemment ça va être plus compliqué que d'habitude. En gros c'est une map L-Pack. On va commencer ici et on va devoir défoncer les humains bien sûr sur le passage. Le truc c'est que cette fois-ci plus on va prendre de temps, plus ça va être compliqué. Tout simplement parce que l'IA elle va avoir une forge à urn. Donc toutes ces tourelles, vous voyez au début il n'y en a pas beaucoup qui ont des urns. Bon il y a les mineurs déjà de base. Mais plus le temps va passer, plus il va y avoir des urns. Alors j'en ai repéré tout à l'heure qu'il y en avait aussi, voilà, ici tout autour de cette flaque bleue là, bah en gros c'est bien protégé quoi, donc plus on va prendre de temps plus ça va être compliqué, donc on va commencer tranquillement, et enfin tranquillement, pas trop, on va booster directement ça et on va essayer de se faire une petite place au soleil. Je pense que honnêtement on va se mettre en x2 déjà. Alors il essaie déjà de nous anesthésier en plus quoi. Oh, ça me plaît ça, l'IA a l'air bien pensée. Alors, on va se faire vraiment, comme je vous disais, une grosse place. J'ai pas envie qu'on m'embête au moins au spawn. Et comment on pourrait faire? On pourrait peut-être éventuellement aller chercher ce truc-là. Ou ici, ça serait pas mal. Ah, on a de la, du mesh. Ouais, moi je veux bien mettre du mesh, ouais. Alors, attends, la range, on va mettre pas trop épais. On va mettre 2. Et place, ok. Ça me va bien. Hop, voilà, ça c'est très bien. Ok, donc on va se diriger par là et on va aussi d'ailleurs se diriger par là. Par contre, faut peut-être pas trop en mettre tout de suite parce que sinon on va être embêté. Alors là, j'ai envie d'y aller, mais ça me semble complètement fou parce qu'elles ont toutes des urnes. Ouais, il faut bien quand même se essayer parce que sinon, où est-ce qu'on peut aller éventuellement? Il n'y a que ça, hein. Mais le Spar Launcher, le nombre de missiles que j'ai vu, ils ont tous déjà... Enfin, il y en a plein qui ont des urnes, regardez juste là, bon, eux, ils n'en ont pas. Je sais pas comment on va faire. Ok, allez, on va déblayer un peu devant chez nous. Hop là. Allez, explose. Faut que ça explose. Il y a une quantité de canons assez folle, quoi. Bon, on va essayer d'aller rechercher l'autre en face. Hop là. Allez, toujours plus de creep, s'il vous plaît. Quoi qu'à la limite, on pourrait péter l'alimentation de ces tourelles. Hop, alors ça pète pas en direct en plus, pour tout arranger. Ouh, alors là, par contre, je peux peut-être déjà le libérer en fait. Voilà, je peux te libérer. Le truc, c'est qu'on n'aura jamais assez... Ah, ça va pas tenir, ça. Allez, explose. Coupe l'alimentation, vite. Oh, ça a tenu ici. Ah non, franchement, j'arrive pas à le croire. Allez. Bon, on va y aller un petit peu plus énervé. Non, mais ça passe. Et en plus, il arrive à me faire un... Pose-moi ça vite, 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 vite. S'il me fait son M-Rift, je suis vraiment embêté. Ok. Je veux pas faire ça pour rien. Voilà. Non, il a réussi à refaire son réseau avant que je puisse faire quoi que ce soit. Ah, on a eu le temps de tirer une fois. Oh oui. Oh non. Hop là. Bon, bah on continue d'avancer comme ça. Ici, on va peut-être avancer un peu plus. On va avancer aussi comme ça, là. Ça suffit, les bêtises. Là, je veux aller tout droit à ça, en fait. Ça va être notre première source de creep, à mon avis, d'ici peu de temps. Ok. On a pris cette position. C'est une petite victoire, mais c'est quand même déjà ça. Là, est-ce qu'on pourrait pas... éventuellement couper l'arrivée du creep ici. Enfin, pas l'arrivée du creep, l'arrivée de leur énergie. On annulerait ce côté-là. Là. Faudrait prendre ça avant, je pense, parce que sinon, stratégiquement, c'est pas bon. Ouais, alors... D'habitude, je sais exactement où je veux aller. Là, franchement, honnêtement, ça me paraît tellement impossible. Faudrait que j'attende un peu, en fait, quoi, que le creep se déploie. Parce que là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on arrive quand même bien à progresser. Enfin, bien, c'est relatif, hein.
quand on voit juste la quantité de trucs qui nous entourent. Bon, là, on va quand même être obligé d'essayer de faire un carton. On va se débarrasser de tous ces trucs. Voilà. Allez, tu peux le faire, vas-y. Faut avancer, l'appareil, tu avances. On va essayer de les submerger. Alors toi, j'ai peur que tu ne tires absolument à rien. Bon, t'as que deux sports, tu me diras. On va en mettre un de plus. Je suis pas convaincu de l'efficacité du truc, vu le nombre de lance-missiles, hein, tout simplement. Et en plus, je peux pas viser où je veux, donc... Bon, vous savez quoi? On va booster à fond, on va jouer sur le creep pour l'instant, et on va essayer de prendre ce truc. Ça me paraît compliqué en vrai, mais... Je vais voir si je passe en x4. Ah, ça fait pas beau. On va rester en x2. Et si je préparais le truc, genre vraiment en mode furtif, ça va se déclencher d'un coup quand on va approcher, mais au moins il sera bien embêté. Il pourra il devra forcément se défendre un peu partout au lieu de me. Ah non, ça explose trop vite là. Bon, bah tout ça pour rien, je pense. C'est ce qu'on va faire. On va les aider quand même, histoire d'essayer de profiter un petit peu de l'histoire, et ça va être rapide notre aventure là. Hop. Ouais, ça a été beaucoup plus rapide que ce que j'imaginais même. Ok. Bah on va essayer d'avancer autrement. Là tu tiens encore, mais sérieux. Vous êtes juste à portée. Ou alors. Hop, voilà, déjà, on enlève. Oh, il met de l'anti-creep en plus. Tout ce que j'aime. Est-ce qu'on peut essayer de pousser? Ouais, ça me paraît quand même compliqué. On en est à combien en génération sur celui-là? 610, c'est pas... ouais, non, il est pas petit quand même. Ou alors, faudrait peut-être qu'on s'enlève de ça, qui est en train vraiment de nous ruiner depuis tout à l'heure. Voilà. Fais-nous un peu de place. Bah c'est pas mal ça. Pas se gêner. Hop là. Allez, en avant. Je peux pas faire du mèche partout. C'est pas une bonne idée non plus. Par contre, je peux essayer de déglinguer tout ce qu'il y a des urnes déjà dans un premier temps. Hop là. C'est un petit peu tendu cette histoire là. D'habitude les L-Pack c'est pour se détendre. Boum, si on se met là. Oh non, je voulais que tu me chopes cela moi. Genre voilà par exemple. Et envoie-moi le urn ailleurs. Alors on va faire ça, on va préparer comme tout à l'heure. Parce que cette fois-ci on va se mettre vraiment plus loin. En espérant. Hop, allez, il faut que la vague de... Waouh, 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 il m'envoie des boucliers, lui. Il est fou. Oh non. Alors ça, ça va pas le faire, mon ami. Je vais pas apprécier l'histoire. Ok. Alors, on continue de préparer notre embuscade ici. T'es sérieux, arrête de m'envoyer des troupes. C'est lui qui m'assaut, franchement. 10 minutes de temps de jeu et je suis toujours pas sorti de là, quoi. Ok, c'est un peu vexant. Alors 750, ça commence à plus rigoler du tout. Tac, voilà, un petit plus ici. J'aurais pu essayer d'activer, enfin de passer en furtif sur ces trucs, mais... Lui était peut-être jouable. Ah, il y a des trucs partout, hein, vraiment. Et puis il faudrait vraiment se mettre là, j'imagine. Enfin, en plus, ça dépend des maps. Je sais pas sur celle-là si ça se fait d'ailleurs, mais.
Hop, voilà. Est-ce qu'il nous en reste? Oui, il nous en reste. Est-ce qu'on ferait pas un petit coup de... Voilà, ça dégage. Hop, on booste toujours ça. Ah ouais, toute ma stratégie est dans le creep. Hop, toi t'es proche, mais ça va. Attention à pas être plus proche. Là, on va en mettre un aussi ici. Maintenant, on va blinder là. Et quand ça va se défendre... Ah non, j'ai pas eu le temps. Attendez, au pire, il faut foutre le bordel maintenant. Allez, détruis-moi tout ça. Et si on arrive à garder un peu la position, voilà, on va peut-être pouvoir monter là. Ça serait vraiment bien. Faut pas qu'il puisse reprendre tout en fait, faut que ça génère là, d'ici quelques secondes. Voilà, comme ça on les occupe. Voilà, ça commence à générer. Ça va pas suffire, mais c'est pas grave. Oh, quoique. Eh ben, bienvenue. Alors là, par contre, si j'arrive à prendre cette poche, je vais tout droit en bas. Et on va bien voir si sans électricité, ils font les malins. Ah ouais, t'es pas... Non, non, mais t'es pas obligé de faire ça. Alors attends, déjà non. Ici, j'ai dit non à ça. Je veux pas que tu me fasses un bouclier ici, merci. Il est salaud, hein. Franchement. Alors, est-ce qu'on arrive à tout couper? Est-ce qu'il y avait un M-Rift que je n'ai pas vu? Ah non, mais ils en reconstruisent. Attendez. On enlève ce pylône et normalement c'est bon. Si monsieur n'a pas le temps de reconstruire. Voilà, très bien. On prend ça. Je balance des œufs chaque seconde où je peux, en vrai. Hop là. Continue. Bon, mais ça c'est cool, on a pris ça, et ça, ça va tomber maintenant. On va s'assurer que ça tombe. En empêchant la reconstruction, voilà. Une bonne dose de creep, normalement, ça calme tout le monde. Ok, maintenant on va s'occuper d'ici, là, parce que ça commence à bien faire. Voilà, déjà, on va foutre le bordel au milieu. Non mais oh, c'est pas vrai. Alors on est où d'ici? Oh, regardez, le mèche va avancer. Là, on va aller jusqu'ici. On va avancer clairement sur la ligne de front. Voilà, et oh, oh toi t'es ma prochaine cible. Ok, alors est-ce que vous arrivez à faire quelque chose les sports ou pas du tout? On va quand même vous booster parce que pour l'instant on a fait que du creep. Voilà. Et maintenant on va aller chercher les problèmes. Si j'arrive à couper ça, franchement, ce serait merveilleux. Je veux pas y croire. Franchement, je peux pas croire qu'il me laisse couper tout ça d'un coup. Non, il y a un M-Rift là-dedans. Oh, il n'y a pas d'M-Rift. Oh, l'erreur. Oh, quelle erreur. Non. Voilà, sans munitions, ça se passe beaucoup mieux. Enfin, ils en ont encore, mais il faut que je tienne un petit peu. Eh ben, on a bientôt un tiers de la map. Je dis ça, ils ont quand même encore pas mal de puissance, quoi. Et alors, leur économie, elle est incroyable. Elle ne bouge pas. Oh, c'est terminé, voilà. C'est terminé. Oh, des blobs. On veut les blobs. On les veut vraiment. Hop là. Allez, on avance. Là, c'est pareil. Pourquoi ça avance? Ça se connecte pas ici. Déjà on pouvait enlever la colline. Ça va être dur à prendre. J'ai l'impression qu'il envoie pas mal de hornes là-bas.
Alors, est-ce que vous faites quelque chose ou absolument rien? C'est bien ce que je me disais, vous faites absolument rien. Vous allez à l'autre bout de la carte, c'est pas le moment, les gars. Donc, on va booster un petit peu le creep. 1030, ouais, ça va, franchement, je pense qu'on est bien. On va pouvoir s'occuper un petit peu de ça maintenant. Allez, on va viser les nœuds. En espérant perturber un petit peu quand même. Ah, j'ai une autre idée. C'est pas forcément la meilleure des idées. J'ai 5 rochers. 5 rochers, on peut peut-être le libérer. Déjà un bouclier de moins, merci. Bon, c'est déjà pas mal. On en a libéré un petit peu. Ah voilà. Ça fait une petite place. Et bientôt, par contre, regardez. Normalement, voilà. Voilà, il n'y a plus une Lifire. Il faudrait juste que j'arrive à tomber le... Attendez, bougez pas. On va commencer à les énerver un petit peu. 1 minute 50, ça va être dur de tenir 1 minute 50. Ça va pas être possible, même. Alors, à part si... Il en faudra un deuxième tout de suite, un rocher, et je peux tomber le bouclier. Et là, je vous avoue que ça serait merveilleux. Voilà. Oh non, il y en avait un autre en dessous, j'ai pas vu. Ok. Eh ben, c'est pas un problème, ça. On va s'en occuper. Est-ce qu'on a un peu de mèche pour l'envoyer par là ? Je veux que ça avance. Et décidément, ça veut vraiment pas faire la jonction, là, il y a un problème. Voilà, viens là. Et tu vas aller comme ça. Oh, regardez, il y a un petit candidat. Ouais, franchement, j'abandonne ce que j'étais en train de faire, ça n'a plus d'importance. Il y a ça, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Voilà. Vous, voilà, sans énergie, ce sera plus joli. Tac. Ici, ça se passe à merveille. On va faire une petite rangée de... Alors, ce qu'on pourrait faire, d'ailleurs, maintenant qu'on a pas mal de creep, c'est... hop, voilà. Comme ça, on verra mieux si nos unités arrivent à partir. Ah ouais, alors c'est un carnage, par contre, au niveau des snipers. J'avais pas pensé à ça. Mais normalement, ils ont au moins le temps d'en toucher quelques-uns. Donc ça, c'est plutôt cool. Ici... Ok, est-ce qu'on peut peut-être vous aider à vouloir partir? Mince, c'était pas l'endroit où il fallait faire ça. Hop là. Parce que là, j'ai quand même l'impression qu'ils nous font bien reculer. Hein. Enfin, ils nous maintiennent à distance, quoi. Des blobs, des blobs. Envoyer des blobs. Alors, on va partir de là et on va aller viser ce truc-là. Et on va aussi avancer comme ça, d'ailleurs. Ouais, je m'en sers vraiment pour guider le truc. Oh, ça, c'est notre prochain point. Ça va nous faire du bien, ça. Ça va nous faire du bien. Il faut qu'on regarde un peu l'arrière-cour. Et il n'y a pas tant que ça de urn, hein, en vrai, quoi. Oh, j'ai rien dit. Oh là là, mon Dieu. Oh, il est en train de défendre sa base comme un enfoiré. Ok. Je sais pas comment ça va se passer, mais ça va pas être facile. Hop, 16 blobs. Est-ce que sinon on miserait pas sur un peu plus de creep? Faudrait peut-être en faire plus, toujours plus. Alors vous voulez pas mourir s'il vous plaît? Il faudrait peut-être buter les pylônes derrière, enfin les mortiers derrière. Genre si j'en mettais un là.
Oh. 17 dans 47 secondes, ça serait vraiment bienvenu. Hein. Ça pourrait pas être désagréable, mais... On commence à avoir besoin de vous, les gars. Il est où le sniper qui m'embête à ce point-là, là ? Ok, crève. Allez. Non mais franchement, tu veux pas mourir? Si, ah. Dans 11 secondes, ça va être cool. Bon, on voit quelques rochers, mais... Alors, vous, ça aurait été bien que vous visiez par là, quand même. Je veux pas être... Bam! Tiens, ta ligne de défense, là. Ah, il en a refait un. Ok. Ça s'est fait tout seul ici, c'est bon. Alors, on va t'aider un petit peu, parce que tu dois être un peu faible. Bon, en tout cas, le mesh était bien pensé. Hop là. On va avancer un petit peu ici. Par... Ouh, c'était pas ce que je voulais faire, tant pis. Ok. Et ben je suis plutôt... Oh, regardez, une petite factory à skimmer. Skimmer, c'est bien aussi. Le problème, c'est qu'il y a toujours autant de snipers de chaque côté, quoi. Donc, bon, faut qu'on prenne ce point. Je pense vraiment qu'il faut qu'on s'acharne là-dessus. Est-ce que toi, tu pourrais peut-être viser les trucs qui sont à côté de toi? 21 dans 1 minute 30. Alors, on a 6 œufs. Déjà, il y a vraiment moyen de les embêter un petit peu. Là, on va embêter le plus possible. Ah, ils sont rejoints par le mur qui est là. Ils ont eu le temps d'avancer un peu. C'est parfait. Normalement, ça devrait tomber là. C'était exactement ce qu'on voulait. Alors, boostons un petit peu notre production de creep sur le front. Hop, est-ce que ça tient ? Ça tient. Nickel. Par contre, plus on avance, plus il y a des urnes qui sont renvoyées à l'arrière. Donc ça va être de plus en plus compliqué. Bon, après, d'un côté, on va avoir de plus en plus de troupes pour attaquer. Genre 21 blobs. Ils vont bien nous aider, hein, on va pas se mentir. Faire des skimmers, parce que réellement, si ça peut arriver que ça passe, ça serait vraiment bien. Est-ce qu'on peut vous embêter un petit peu, s'il vous plaît ? Voilà, entre les boucliers. Ouh, ça a rien fait du tout. Ça, je m'y attendais pas. On va aller là. Je pense que cette colline est notre salut. Bon, par contre, il faut attendre absolument d'avoir un peu plus d'eux. On va booster de l'autre côté en attendant tranquillement pour que ça avance. On est à combien? 614 000. Ah, ça va, hein. À terme, je vois pas comment il peut non plus survivre aussi au final, parce que nous on est illimité. Lui il peut mettre un urn par unité, on va dire dans le carré final, j'imagine. C'est là que ça va être le plus compliqué. Là il nous embête à avancer, mais encore quoi que. Allez, 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 faites quelque chose, mais c'est pas vrai. Ils sont partis tous au mauvais endroit. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va couper. Ah non, mais je t'ai jamais demandé de me faire ça là. Ils sont tous sous l'eau. Voilà. Oh, on a libéré notre copain. Voilà, ça c'est bien. Ça, ça va nous aider. Ah, tu peux fuir le bouclier. Ouais. Je pense que c'est une bonne idée pour toi. À ta place, c'est ce que j'aurais fait. Ah, les skimmers ont marché, regardez, tout ça, ça n'est... Oh, c'est magnifique. Oh, c'est incroyable. Oh, les skimmers, ils nous ont bien aidé sur ce coup, quoi.
Je dirais pas que c'est eux qui ont sauvé la partie, mais... Non, on va garder nos rochers, et par contre, on va essayer de couper l'alimentation de ça. Ah, j'allais dire, mais il y a un Emerith quelque part, là, je le vois pas. Alors non. Je vais utiliser mes rochers, du coup. Je ne veux pas. Non, mais c'est pas vrai. Alors, on va remettre des skimmers en plus. On va avancer avec notre mèche tranquillement. Voilà. Ici, on a complètement oublié. Par là. Tiens, ouais, jusque là. C'est pour le délire, hein. Vraiment, il n'y a pas de... Ah, j'ai cliqué dessus. Hop. Voilà. Et là, tu avances. J'ai eu l'impression qu'on avait reculé pendant 2 secondes, mais pas du tout. Du coup... Plus de skimmer ou plus de blob? Plus de blob, franchement. À la fin, ça va vraiment faire la diff. 24, c'est pas ouf. Mais c'est pas neutre non plus. Alors, on a 7 E. Est-ce qu'on peut couper ça? Ça m'arrangerait bien, moi. Non, déjà, j'en ai pas assez pour couper ici. Par contre, tous les autres ont été très performants. Oh bah c'est bon. C'est génial. Il en replace un instantanément à chaque fois. Hop, voilà. Allez, Ersac. L'unité du futur. Allez, il y en a un, je crois que c'est tous les trois. Non, ça n'a rien changé. Déjà, même les Ersac, franchement, même pour le faire. Toujours un. Non, mais tu te fous de moi. Oh. On va mettre un petit œuf derrière. J'ai que ça, je suis désolé. Je pousse. Là. Regardez-moi cette petite salve qui arrive derrière là. Parfait. Du coup, on va bien réussir à en avoir deux, sérieux. Franchement, je suis dégoûté. Je voulais juste en mettre un deuxième pour dire j'ai donné leur chance au Ersac. Attends, il va sortir et il aura 300 œufs sur lui ou quoi lui? Et non, il est juste pourri. Ce drame. Franchement, plus jamais. Il était où le lance-missile là qui a venu m'embêter? Franchement, quand même, se faire humilier comme ça, c'est. Même si j'aime pas lire ça, il faut peut-être que je le défende. Ouais, il y a du monde là. Attends, on va. On va essayer d'avancer un peu plus. Comment je pourrais faire? Parce que là, c'est pas terrible, terrible, cette histoire. 28. 1 million de creeps, ouais, pas mal. Ah ouais, les Ersac, enfin, les skimmers font un vrai taf, en fait. Je vais les booster un peu plus. C'est une unité que je sous-estime quand même, qui est très bonne, mais c'est vrai que j'en fais peu. Bon, mon unité, celle que j'aime le moins, c'est celle-là. Après, toutes les autres, je les aime bien, en vrai, quoi. Mais t'es où? C'est lui, là? Attends, bouge pas. Quand ça va péter fort, mon pote. Je te le dis, je te préviens. Mais tu l'auras bien cherché. Bam, 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 bam.
On n'a pas spécialement besoin de plus de creep. Par contre, on a vraiment besoin de plus. Alors attends, pourquoi il tire aussi souvent par contre? Boum. Ah mais c'est qu'il y a une petite poche de fin de sol bleu là, du breeder là. Oh, j'ai failli cliquer. Je crois que j'ai cliqué d'ailleurs. Ça ne l'a pas fait, tant mieux. Allez les skimmers. On est au bord de sa base franchement. Ça avance énorme grâce aux skimmers en fait. C'est peut-être plus efficace que les blobs. J'ai une vraie tendance à avoir une préférence pour les blobs, mais c'est vrai que quand même. Ok, beaucoup trop de snipers dans cette idée. On va avancer avec du mesh histoire de leur mettre un peu la pression, même vers les boucliers. Là, pareil, toi, on va descendre jusque là. Il est mignon parce qu'il croit encore qu'il peut nous reprendre la zone là-bas, quoi. Alors qu'en vrai, c'est déjà en train de se fighter devant ses portes. Du coup, quand il va voir arriver nos centaines de skimmers... Ah, ton économie, ça commence à jouer. Attends, bouge pas, excuse-moi. Je crois que vous avez un problème de nuisible dans votre arrière-cour. Voilà, oui, ça, ça fait plaisir. Allez. Parce que là, cette petite poche de résistance, réellement, elle nous aura bien ralenti, quoi. Non, toi, surtout pas. Ah bah, ça y est, en plus, tu pars dans le mauvais sens. Non, mais franchement. Oh, une volée de skimmers. On va les suivre. Voilà, ils tirent dans l'eau, l'air sac, franchement, mais n'importe quoi. Après, là, attention, il y a quand même de quoi se défendre. Oh, ça réussit, ça réussit. Vous avez de la chance que les boucliers aient tenu le coup. Bah non, c'est pas de la chance parce qu'ils ont des urnes et ils sont très bien placés pour le coup. Ça, c'est une volonté du créateur. Bah écoute, toi. À la limite, on peut vous défoncer comme ça aussi. Hein. C'est ce qui va se passer pour la bataille finale après, quoi. Donc, de toute façon. Boum. Voilà le sniper qui nous embête depuis le début. Là. Ça, c'est réglé. Regarde-toi. Bim. Tiens, ça dégage. Là, ils sont dessous. Bon, maintenant on va rigoler parce qu'on va être complètement. Enfin, on va l'avoir entouré complètement. Alors là, par contre, ouais, non, elle est creusée en plus la base, donc ça va être encore plus dur que ce que je pensais, j'imagine. Hop. Oui, je m'amuse avec le mèche, hein. Franchement, c'est un truc que j'utilise assez peu en vrai d'habitude. Allez! Ah oui d'accord, il a une... Ah ouais, c'est ça que ça a augmenté, c'est pas le nombre de... D'accord, bon, ben il a 60 bouboules en dessous. Là. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait masse de blobs qui arrivent au moment où les skimmers arrivent. Faudrait que vous soyez synchro, les gars, en fait, c'est ça le truc. Après, on a toujours la possibilité de leur mettre plein de rochers dans la tronche. Ce que je vais pas me gêner de faire, hein. Je vous le dis tout de suite. Ça va être peu subtil et très bourrin cette fin de map. Voilà. Oh là là. Oh, l'efficacité. Merci les skimmers. Ils sont arrivés pile au bon moment. Vous voyez, d'ailleurs, toutes ces unités ont des urnes. Du coup, bah là, les urnes qu'il a en plus, bah il sait plus quoi en faire. Et ça, c'est bon pour nous. Bah, par contre, tu pourrais les mettre là-dessus. Hein.
Alors, je veux impérativement garder mes rochers, donc c'est pour ça que là, je les utilise plus, parce que on va pouvoir en utiliser à des moments. Et je pense que si on veut ne serait-ce que faire un trou dans un bouclier, il va nous en falloir au moins une vingtaine en vrai. Regardez la vitesse de tir des snipers. Là, tout est sous l'heure. De toute façon, ça peut pas être plus efficace dans cette base. Oh oui, 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 oui. Alors ça, c'est pas passé, je le crois pas. Ok, pas de soucis. On a vu que les urn, enfin les skimmers faisaient largement le taf, il nous faut juste plus de blobs en fait. Ouais, ouais, on va faire comme ça. J'ai jamais fait gaffe, est-ce qu'on peut cliquer sur la map? Ah, on peut cliquer sur la map. Vous voyez, bah franchement, après des mois et des mois de Creeper World, j'apprends encore des choses. Enfin, de toute façon, il y a tellement de trucs dans le jeu, j'aurais jamais tout ce qu'il faut. Enfin, je ne saurais jamais tout ce qu'il y a, quoi. Tout ce que j'aime bien, c'est voir toujours des explosions là-dessus. Mortier, mortier, lance-missile, machin. Du coup, bah, ça veut dire qu'on progresse, quoi qu'il arrive. Boum, 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 boum. Voilà. Et il essaie de reconstruire au fur et à mesure. Ça, c'est beau. Ça fait voir, là, on peut passer. Ah oui! Ah, c'est magnifique. Du coup, là je patiente tranquillement hein, d'avoir vraiment la posture idéale pour faire un trou d'un coup, enfin d'un coup, ça sera pas une seule attaque pour finir, mais il en faut une massive pour pouvoir passer en vrai quoi. Hop, ah ouais, 42 minutes, ouais, heureusement on est en x2, du coup ça en fait 20 et quelques, mais on va voir est-ce que j'arrive à... Non, ça passe toujours pas. Bon, là, de toute façon, il n'y avait pas les skimmers, donc il y avait quasiment aucune chance que ça arrive. Est-ce que cette petite poche de résistance pourrait crever, en fait? Ça m'arrangerait vraiment. Je veux pas être désagréable, mais... je comprends pas pourquoi celle-là, on la prend pas. Non, je garde les rochers. J'ai dit, je les garde. Ok. On va mettre plus de skimmers. Oui, la salve. J'adore ça. Oh, on a fait un petit trou quand même. Et ce qu'il nous faut, c'est un trou ici, les gars. Faut finir ça. Allez, on a buté le sniper. Avec un peu de chance, ça va aider à progresser. Ou alors j'aurais pu faire ça autrement. Ah, ça se replie un petit peu là. Allez, on avance, on avance, on avance. Je suis en train de mettre un coup par un coup pour essayer de faire en sorte que le mur ici puisse avancer. Mais j'ai pas l'impression que ça fonctionne comme tactique. Ok. Bon, on va suivre ça, on n'est pas à la salve près. Toujours pas, oh là là. Combien il en faut? Finir par vous faire une ellipse, ce sera la première fois dans une partie. Mais... Ah, vous, vous arrivez trop tard, c'est tellement dommage. Je vais essayer de couper quand même l'alimentation par là. Ah ouais, non, mais même pas en rêve, quoi. J'ai absolument aucune chance. Ou alors, on fait ça. Hop. Et son économie, elle est dans la merde. Là, s'il veut tout reconstruire, ça va être compliqué.
Hop. Au moins un petit, histoire d'embêter. Et ben voilà. On aura au moins réussi ça. Et maintenant, tout va se concentrer de ce côté, donc on va voir si ça suffit d'un coup ou pas. Tout est réussi. Enfin, les attaques vont être un peu plus ciblées. Nickel. Alors, les... ils ont pris un petit coup de skimmer avant. Nah, ça tient pas. Oh si, ça tient un peu quand même. Hop là. Alors, il en faut plus, il en faut toujours plus. On va faire... Hop. On va se mettre en x4, parce que là, honnêtement... Oh, je suis pas sûr, en fait. Puis surtout, c'est le coup où, en vrai, je vais pas regarder en haut et ça va se faire, quoi. Des œufs, on sait plus quoi en faire, en réalité. Ah si, ça avance, si, ça avance bien, là. Je les pose, hein, on sait jamais. Faudrait que j'arrive à cibler un des boucliers. Et je peux faire ça, en vrai. Ah non, c'est trop bien fait. Ah, le gars a géré parce que je peux pas poser mon rocher pile où je veux. Alors que là, par contre... je voulais sniper celui-là, là. Enfin, sniper, c'est un grand bien... Enfin, un bien grand terme, mais... Ça va pas tenir, les copains. Ça c'est beau ça. Regardez la vague qui arrive là. Blim! Si vous pouviez vous faire les snipers, ça serait le top. Du coup, augmentons la prochaine salle qui à mon avis sera l'avant-dernière. Non, je suis peut-être un petit peu optimiste quand même. Boum. Je vais popper des œufs, ça sert absolument à rien, mais quand même, je me dis que, par principe... Boum, allez, répare-moi ça, mon gars. C'est dommage qu'on puisse pas atteindre ça. Si on avait pu atteindre ça, honnêtement, si les trucs étaient posés ailleurs... Oh, salut, toi, je t'avais même pas vu. Eh, mais on peut faire du... On peut pusher comme ça aussi. Voilà. Ah là, ça a bien avancé. Hop. Alors, on en est où? C'est l'avant-dernière salve. N'importe quoi. Des fois, je suis un peu trop optimiste. Dommage, les skimmers sont pas là en premier. Allez, allez. Blam! Dommage que vous ne soyez vraiment pas arrivé en premier, les gars. Ouh, ça rentre vraiment. Ça rentre pas mal. Je peux rien faire avec mes œufs, c'est tellement dommage. Ah ouais, si je peux les faire péter. Maintenant il y a tellement de boucliers partout que je peux même pas en faire péter dans un interstice. Ou au-dessus d'un bouclier. Oh oui, oui. Alors là par contre je peux peut-être cibler le bouclier qui est là. Ah non mais ils sont vraiment pénibles en fait, parce qu'ils sont pile. Hop là, un bouclier de moins. J'ai rien dit.
Allez, toujours plus de blobs. Bah par contre, il avait raison, hein. Plus le temps passe, et effectivement, plus ils sont pénibles. Bon, jusqu'à un certain point, quoi. Oh, ça, j'aime ce son. Non, c'était toi que je voulais sniper, c'était pas lui. Comment ça se fait que c'est passé à ce point-là d'un coup, là? Peut-être parce qu'on a 3 millions de creeps. Eh ben, tu nous auras bien énervé, toi. Ah, ça fait plaisir. Eh ben, dis donc. Ça aura été long, quoi. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, en tout cas, et je vous dis à très bientôt.